Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes à Yabara, l'émission qui vous donne des opportunités d'emploi et des conseils avisés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Bonsoir, jeunes de Côte d'Ivoire. Bienvenue dans Yabara. Pour devenir votre propre boss, il vous faut de la passion. Alors, qu'est-ce qui vous passionne véritablement? En attendant que vous répondiez à cette question, intéressons-nous à la passion de notre boss du jour. Kofi Jean est passionné par la coiffure. Il a décidé d'en faire un métier. Il jouit aujourd'hui d'une bonne renommée dans le secteur. Il vous invite, jeune de Côte d'Ivoire, à réaliser votre rêve. Je ne savais pas ce qu'il fait. Donc j'ai fait la cordonnerie et il s'est trouvé que mon père était coiffeur. Et il m'a amené à aller à l'AGFOP, si je ne fais pas de publicité, pour suivre des cours de coiffure. Et c'est à partir de là que je suis devenu coiffeur. J'ai ma mère qui m'a soutenu avec une petite somme, une modeste somme de 150 000. Et puis bon, je suis allé, j'ai payé la baraque en son temps. Quand j'ai payé la baraque, je suis allé, j'ai demandé la place. La place, le gars m'a demandé une petite caution. Je lui ai donné la caution. J'arrive, il me dit non, que la place, j'ai dû lui avant de venir poser ma baraque, donc je ne peux plus me donner la place. J'étais désespéré, j'étais un peu découragé. J'avais laissé même juste un temps, pendant au moins 6 mois comme ça. Et puis après, je me suis remis, j'ai dit bon, si je ne fais pas la coiffure, je fais quoi? Puisque c'est ce que j'ai appris. J'ai fait appel à une cliente et puis bon, elle m'a dit bon, comme c'est ainsi, moi je vais te porter main forte. Elle m'a demandé qu'est-ce que je veux. J'ai dit non, c'est seulement dit. J'ai besoin de juste une somme de 100 000 pour pouvoir me compléter, pour aller me trouver une place et puis m'acheter quelques matériels. Donc, en temps, je vais déjà ma baraque qui était là, que je n'avais pas encore installé. Et je me suis trouvé une autre place. Et c'est à partir de là que vraiment, Dieu m'a béni. Pour ma particularité, c'est que je suis aussi accueillant, je suis jovial. Et puis bon, j'essaie de jouer avec mes clients comme il le faut pour pouvoir garder toujours la fraternité. Quand on te voit faire une coiffure d'âme, on se dit automatiquement que tu es homosexuel. Et aujourd'hui, j'encourage tous les jeunes qui sont dans un métier, qui cherchent de l'argent pour aller exercer dans un autre domaine, je leur dis que ce n'est pas la peine. Parce que crois en ce que tu fais et tu pourrais arriver. Moi, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments difficiles où par moments, les factures sont un peu élevées, mais j'essaie de joindre les deux bouts pour pouvoir arriver. Il y a des moments aussi quand c'est foutu, c'est personnel, c'est à moi seul. Je garde 5 000 francs par jour. Je regarde mon chiffre d'affaires, je garde 5 000 francs par jour. 5 000 francs par jour, multiplié par un an, ça te fait déjà 1 500 000. Mais tant que tu n'as pas fait ça, tant que tu n'as pas eu le courage de le faire, tu ne pourras jamais le faire. Prends le courage, fais-le et puis abandonne certaines choses. Je pense que tu pourras arriver à bon port. La coiffure nourrit son homme. Nommément son homme parce qu'aujourd'hui, grâce à la coiffure, je n'envie personne. Le contraire, c'est les gens qui m'envient. Et je bénis le nom de Dieu pour ça. Trouver du travail est un jeu d'enfant lorsqu'on connaît les clés, c'est ce que nous dit en tout cas notre coach d'aujourd'hui. Mais quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les attitudes à avoir lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Elle répond à nos questions.
Je vais à l'école, j'obtiens mes diplômes, je trouve du travail et me voici salarié. Belle histoire qui n'existerait que dans le meilleur des mondes. La réalité est tout autre, l'obtention des diplômes de fin d'études rime souvent avec le casse-tête de la recherche d'un emploi. Pourtant, des méthodes existent pour éviter les tracasseries. Parce que venir en entreprise, c'est savoir se vendre. Mais on se vend par rapport à quoi? Si on ne se connaît pas, qu'est-ce qu'on présente à l'entreprise? Donc il faut savoir se connaître. Si on ne sait pas comment faire pour se connaître, il y a des structures qui existent, il y a des techniques qui existent. Donc se rapprocher de ces structures-là, faire un bilan même s'il le faut, pour que les personnes connaissent ses forces et ses faiblesses. Parce que la preuve en entretien, on demande toujours quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Il y a beaucoup qui butent à ce niveau-là. Mais quand on prend le temps de s'interroger, de se poser des questions, c'est des réponses qui viennent naturellement en entreprise. Donc il faut qu'il apprenne à se connaître, se poser les questions qu'il faut, se rapprocher des agences, se former. Une fois son domaine de compétences connu, l'idéal est de suivre des études concordantes. Sinon, il faut identifier le domaine dans lequel l'on souhaite travailler et s'en imprégner. Je prends le cas de quelqu'un qui veut travailler dans une banque. Il a même identifié le nom de la banque qui le passionne et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne. Qu'est-ce que cette banque vend comme produit? Quels sont ses défis? Quelles sont ses attentes? Et quel est son plan même d'action pour l'année en cours? Pourquoi? Quand il va faire ça, lorsqu'il viendra en entretien, il sera une force de proposition. Ça fait que son entretien déjà va sortir du lot. Il n'aura pas un entretien banal. Oui. Déjà même au niveau du CV, au niveau de la lettre de motivation, il va se distinguer. Mais la clé qui rend la quête de l'emploi amusante, c'est vraiment de se connaître. Parce qu'à ce moment-là, on découvre une passion. Et lorsqu'on parle à un recruteur, en fait, on a l'impression de parler à un partenaire. Parce qu'on se dit qu'on vient être une force de proposition pour lui. On vient l'aider à atteindre un objectif. Donc la mentalité est différente de celui qui vient en entreprise et qui se dit qu'il vient demander un emploi. Personnellement, je n'aime même pas trop le titre comme un objet de demande d'emploi. Moi, je mets toujours proposition de collaboration. Parce que c'est une collaboration. Mais à condition de savoir quelle est notre part dans cette collaboration. Jean-Paul Aka, un bureaucrate devenu entrepreneur, a accepté de nous raconter son histoire. Il est ingénieur agronome. Après avoir travaillé pendant plusieurs années, il décide de quitter son emploi pour créer Locagri, un cabinet de conseil en environnement. Et dans le même élan, il a mis sur le marché du riz local bio, produit par des agriculteurs locaux, créant ainsi des emplois directs. Locagri, c'est trois axes d'intervention. C'est d'abord au niveau stratégique. On essaie d'appuyer les entreprises pour qu'elles puissent définir des stratégies de développement durable dans les chaînes de valeur comme le cacao, l'EVA, le palmier à huile. Deuxième axe de travail, cette fois-ci, on conçoit des projets. On fait des études, on fait des formations sur divers sujets de l'agriculture. Le dernier axe, c'est vraiment la transformation des produits locaux. Et là, on s'intéresse effectivement aux chaînes de valeur de culture vivrière. Et là, par exemple, on travaille dans le riz, où là, vraiment, nous avons travaillé pendant longtemps pour structurer la chaîne de valeur du riz, comprendre jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir notre marque de riz. Il y a Locagri, qui est l'entreprise, et puis vous avez Locari, qui est la marque de riz. On a choisi le riz pour, on va dire, deux raisons principales. La première, parce que le riz est la denrée alimentaire la plus consommée en Côte d'Ivoire et elle rentre vraiment directement dans la sécurité alimentaire. La deuxième raison, bien que cette filière-là soit aussi importante effectivement pour l'alimentation, elle n'est pas, à notre goût en tout cas, aussi structurée. Pour nous, dans la chaîne de valeur riz, la richesse n'est pas forcément distribuée tout le long de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire importe près de 90% de sa consommation en riz. On peut dire que c'est intéressant, mais stratégiquement pour un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que, en tout cas nous à Locagri, nous pensons qu'il y a une faille là. Et là pour nous l'impact qu'on veut avoir effectivement, c'est de dire on a un choix. On peut effectivement consommer le riz importé. Mais il y a aussi la possibilité de consommer des riz locaux et aussi de meilleure qualité. Le Locagri, c'est aussi innover. Par exemple, l'engrais, on utilise les balles de riz qu'on carbonise et qu'on distribue aux producteurs.
Donc vraiment, on essaie de rester dans du naturel. Le positionnement du riz local est un peu complexe ici en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi nous avons choisi le digital où on essaie effectivement de distribuer notre produit en ligne via notre site internet et notre page Facebook. Il faut qu'on fasse vraiment la promotion du riz local parce qu'il y a une perception péjorative du riz local. Parce qu'on se dit, quand le riz est produit ici localement, il n'est pas de bonne qualité, il y a des cailloux. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a dépassé. Notre riz est sans cailloux, il n'est pas fumé comme lui. Le deuxième, on va dire, blocage, c'est le prix. On va dire deux facteurs liés au prix du riz. Le premier facteur, c'est que le riz, il y a plusieurs catégories. Donc, vous avez, même dans le riz importé, vous avez des dinkachas, vous avez des riz de luxe, et puis le riz encore plus de luxe. Donc pour ces deux catégories de riz, là, les prix sont différents. C'est la même chose dans les riz locaux. Vous savez que la production locale n'est pas subventionnée. Si on veut faire la promotion du riz local, il faut commencer déjà par la commande publique. La commande publique prend du riz importé. C'est presque aberrant. Vous allez au Ghana, vous allez au Sénégal, la commande publique s'oriente vers le riz local. Et c'est à partir de là qu'on va faire émerger les champions dans cette filière. Les choses sont difficiles, mais elles ne sont pas impossibles. C'est l'heure des opportunités d'emploi et c'est dans le bonus. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Un aide comptable, CDI. Niveau de formation Bac plus 2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Cocody. Date limite de candidature, 25 mai 2020 à 16h30. 5 commerciaux CDI. Niveau de formation Bac plus 2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Cocody. Date limite de candidature, 25 mai 2020 à 16h30. Un technicien informatique CDI, niveau de formation Bac plus 2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 2 ans, lieu de travail Cocody, date limite de candidature 25 mai 2020 à 16h30. Stage pré-emploi, durée du stage 6 mois renouvelable, exigence particulière, jeune homme ou femme, âgé de 18 à 40 ans, dynamique, courtois, bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis, 10 stagiaires techniciens télécom réseau. Niveau de formation Bac plus 2, âge 18 à 40 ans. Sexe masculin, lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 20 mai 2020 à 16h30. 55 stagiaires techniciens télécom réseau. Niveau de formation Bac plus 2, âge 18 à 40 ans. Sexe masculin 39, féminin 16. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 22 mai 2020 à 16h30. Un stagiaire standardiste. Niveau de formation, bac, âge 18 à 40 ans, sexe féminin. Lieu de travail, Cocody. Date limite de candidature 22 mai 2020 à 16h30. Deux stagiaires logisticiens. Niveau de formation, bac plus 2. Âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Lieu de travail, San Pedro. Date limite de candidature 22 mai 2020 à 16h30. Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante recrutement@emploijeune.ci en précisant en objet le poste de votre candidature. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Ce n'est pas le plus intelligent ni le plus talentueux qui réussit à tous les coups, mais c'est le plus déterminé. C'est avec cette citation de Confucius qu'on se dit à très bientôt.